pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Pâtes à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire ce petit personnage, Kenny McCormick de South Park. Alors, pour commencer, vous allez prendre de la pâte orange. Vous allez en faire une boule et vous allez légèrement l'aplatir. Une fois que vous avez la bonne forme, vous allez venir couper avec un scalpel délicatement à l'intérieur du cercle et vous allez enlever un tout petit peu de pâte pour créer du volume. On vient ensuite lisser le tout avec un outil. Donc prenez l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser pour ça. Ça peut être un outil en silicone ou autre chose, ou tout simplement vos doigts. Ensuite, je prends du blanc, du jaune et du rose pour faire une couleur chair. Donc vous la mélangez bien, vous en faites une boule que vous étalez. On va ensuite couper approximativement la forme avec un scalpel. Et on vient la poser dans le trou qu'on a fait. Donc là, délicatement, on va venir mettre la pâte à l'intérieur. Venez couper vraiment encore si vous avez de l'excédent, mais faites attention de ne pas abîmer le orange. Ensuite, je prends de la pâte blanche que j'étale et je vais faire les yeux. Donc je vais couper deux formes ovales approximatives, voilà, à main levée. Donc je réétale toujours après au doigt pour enlever en fait la démarcation. Et je viens poser les yeux en les chevauchant. Ensuite, s'ils ne sont pas droits, vous venez vous aider d'une aiguille ou comme moi d'un outil en silicone pour les mettre en place. Si vous voulez savoir tout le matériel que j'utilise, allez voir ma vidéo précédente. Je prends ensuite de la pâte Fimo noire. Je viens faire un boudin très très fin et je viens y couper deux petits morceaux que je mets en boule pour faire les pupilles. Je les étale et je viens reprendre un tout petit morceau de noir pour faire un petit trait qu'il y a entre les yeux. Ensuite, je reprends de la pâte orange que je vais placer sur la tête de mon Kenny. Donc en fait, c'est vraiment pour avoir cet effet de cagoule. Donc j'étale et je dispose ça tout doucement. Donc n'ayez pas peur de venir recouper à chaque fois si la forme est trop grande. Tant que c'est pas cuit, l'intérêt de la pâte polymère, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, je prends de la pâte chocolat et je vais venir découper deux croissants de lune, donc de façon symétrique. Encore une fois, je viens redécouper puisque c'est trop grand et je viens placer ça sur le visage de manière à recouvrir légèrement les yeux. Je mets ça en place. Je reprends de la pâte noire et je vais faire un boudin très très fin. Donc le secret pour ne pas casser un boudin comme ça très très fin, c'est vraiment d'appuyer très légèrement dessus puisque plus vous allez appuyer et plus ça risque de se casser. Donc s'il vous en manque un morceau, vous l'ajoutez, ni vu ni connu. Je vais faire ensuite les petites ficelles, toujours avec deux petits morceaux de noir.
On n'oublie pas de les mettre en forme et de bien les coller à la pâte. Donc voilà pour la tête qui est terminée. Je vais ensuite m'attaquer au corps, ce qui était beaucoup plus rapide. Donc je vais aplatir une forme pas tout à fait plate, hein, c'est important. Et je vais venir couper une forme de manière à ce que ça puisse se coller plus facilement à la tête. Donc une fois que j'ai la forme que je veux, je la mets bien en forme. Je viens couper les deux côtés pour ensuite y mettre les bras. Je coupe ensuite le dessous aussi pour vraiment avoir la forme que je veux, hein, qui correspond au personnage. Et ensuite, je vais faire un boudin avec de la pâte orange que je viens découper, puis accrocher. J'accroche ensuite le corps à la tête et je vais venir mettre tout ça en forme à l'aide de mon outil en silicone et de mon outil en métal. Mais voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous faites vraiment avec le matériel que vous voulez. Ensuite, on va faire les jambes. Donc ce qui est bien avec les personnages de South Park, c'est qu'ils ont des formes assez simples. C'est au niveau des jambes, des mains, c'est assez facile à réaliser. Donc faut pas oublier de bien accrocher les formes ensemble, c'est très important parce que si vous collez juste deux morceaux de pâte, vous risquez à ce que ça ne tienne pas. Si vous voulez être sûr vraiment que ça ne se décolle pas, mettez un petit point de fimo liquide. Donc une fois que j'ai fait les jambes comme vous l'avez vu, je viens faire les mains. Donc ce sont tout simplement deux boules marron. Et ensuite deux plus petites boules marron pour faire les pouces. Donc je viens coller ça au bras. Ensuite je vais prendre de la pâte noire pour faire les pieds. Donc je fais un rectangle avec des coins arrondis. Donc pour arrondir les coins, vous n'avez juste qu'à utiliser quelque chose de plat, une lame, un scalpel, que vous passez sur les coins. Et je viens coller le tout. Donc ce petit personnage a été fait en collaboration avec Prime Video, mais ce n'est pas une collaboration que je devais faire sur YouTube, mais que j'ai fait sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur leur compte Prime Video. Je suis vraiment trop contente de cette collab. Donc voilà, j'ai décidé de la filmer en même temps pour pouvoir vous en faire un tuto pour vous, mais ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Donc ensuite, j'ajoute des détails avec du noir, comme vous pouvez le voir. Et je n'ai plus qu'à le mettre au four, 15-20 minutes à 110 degrés. Et voilà, il est terminé! J'espère que ce petit tutoriel de personnage de South Park vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!